Ok, départ pour de nouvelles aventures, étape 1, le sac il est fait, un petit appareil photo là, on peut même pas vous dire exactement la raison pourquoi on part, mais vous le saurez très bientôt. En attendant, vous risquez de voir des vagues, donc on est parti, on prend la route, 4 heures de route pour aller jusqu'à la cano. Ce soir on va aller skater au skatepark, demain on va aller surfer tôt et pas mal de petites surprises, c'est parti. 6h du matin avec OAS. Sacha? Oh putain. Ah ça c'est excellent. Putain la vache, c'est on s'empote. Putain. Il y a Paul, bon bah Paul. Hein. Paul quoi? Paul. Il y a moi quoi, moi. Ah, pas moi. Paul, il marche sur le côté en fait. Parce que là, sur le côté, parce que ça se mange j'ai l'impression. D'accord, bah on prend cette option. Donc là on vous a toujours pas dit exactement pourquoi on était là, mais on vous le dira pas dans cette vidéo, ce sera dans une autre vidéo. Parce qu'il y a un truc assez gros qui se prépare. Alors en fait il se prépare parce que... Te tais, voilà. Mais lui il sait pas, il fait croire il sait mais il sait pas. Enfin il sait en fait, mais il sait pas. Putain elle est longue la route là. Je donne un indice, c'est par rapport au surf. Ouais voilà, merci Sacha. Du coup là on va faire des vidéos pour ça. Et puis ensuite on va surfer pour nous et pour vous. Donc on espère qu'il y a des petites vagues. Donc on va aller voir ça. Mais il n'y a personne donc c'est bizarre. Il est 6h20 mais normalement on vous connaît. Vous êtes quand même plus déterminé que ça. Donc on va bien voir. Oh la vache. Faut la mériter cette vague. Oh la vache, j'en ai marre. Celle-là, il y a une gauche qui passe trop. On va aller en face là, ouais, il y a des petites vagues. Et au fait aussi, il y a une droite qui finit dans la baïne qui est bien. Bon, allez, go, on va à l'eau. Je dirais pas, mais je suis monté à 155 battements par minute avec cette côte. Juste à côté, il y a moins que ça. Vas-y, on va dans l'eau. Voilà, tellement de choses à vous tourner qu'on a pris le setup voyage quoi. Sacha is ready. Ah non, mais là, ça va être hyper vénère. Là, j'ai pris le super surf. Ok. Il est un peu abîmé, mais. Alors, vous voyez le physique de Sacha. Maintenant, je mets une photo ici quand il était petit. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il va faire au montage? Sur Instagram ici pour les... Ah bah non, il peut plus même. Faire... Ah y'a les bons petits pics ici. Ok, on a notre prince Sacha qui se met à l'eau. Bon là ça fait 40 fois qu'on fait l'aller-retour. Du coup Paul il est là, il revient en courant parce qu'on oublie toujours un truc dans la voiture. Là il a dû faire son échauffement là. Ok, on est parti pour le vlog de la Cano Beach. Merci Johnny. Tu peux aller à l'eau. Bon là en soi ils savent pas qu'on est déjà allé à l'eau. C'est le début du vlog. En fait on est déjà allé à l'eau mais on n'a pas le droit de vous dire. Mais c'est une surprise. Ça sera annoncé prochainement. Bonne session Paul. J'aimerais bien te rejoindre, je viendrai tout à l'heure. Bisous. Oh, il y a des belles séries hein. En vrai on dirait pas, on a l'impression que de loin il n'y a pas trop de vagues. En fait il y a des séries, il y a plein de trucs. Le drone est en route, il est où? Je le vois pas. Là-bas. Attends, ah oui merde il est là, attends. Ah voilà c'est bon je l'ai. Je l'ai. Ok il y a de la belle série en plus. Waouh, il y a des belles petites vagues. Ah, Polo part, ok ça part. Putain il y a une belle taille. Oh! Franchement, la rota était belle. Hein. Ok ça part. Ouh. Allez Polo, ok ça part sur une gauche qui est moisie. Merci du passage. Ah ouais. Allez Polo, ok. Magnifique. Ok ça part. Magnifique. Yes, ok. Allez. Pas mal. Vous aurez les plans GoPro aussi. Je pense que ça rendra mieux. Bon du coup pour vous expliquer la situation, il y a Paul qui est là, il y a Sacha qui est ici en train de filmer au drone, qui est bien gentil de nous filmer. Et moi je suis là
en train de filmer. On est venu tôt le matin pour préparer une grosse annonce qu'on va vous faire très bientôt. Et du coup on filmait quand même des petites vagues à la Kono, parce que je pense qu'on va surfer là ce matin. On va surfer peut-être cet après-midi à la centrale, et on retournera surfer demain matin je pense dans le coin. Ce qui est bien ce spot, c'est que bah, tu peux trouver un pic ici à la Kono. Il y a toujours de quoi trouver ton petit pic tranquille. Donc franchement c'est cool. Les vagues elles sont pas trop mal. Bon allez, on est reparti. Ah excuse-moi, je te filmais à ton insu. Lancer. Franchement, t'aurais replaqué ça, je t'aurais fait un bisou quand tu sortais de l'eau. Parti. Ah bah Polo, t'es pas parti dans le bon sens. Yeah, ok, pas mal celle-là. Oh, il s'est niché. Yeah, bien ça. Ok, ça part pour Polo. Ah, air de perte de la vitesse. Oh non! Ce trick, faut vraiment qu'il replaque. À chaque fois, il a deux doigts, puis il se loupe à la fin. Petit flotteur, on l'avait pas eu. Allez, allez, ouh! Ok, il part. Oh! C'était une balle lancée. Franchement. T'aurais replaqué ça, je t'aurais fait un bisou quand tu sortais de l'eau. Ah, Polo part. Yeah, bien. Il part. Et c'est le retour de Polo. Bon bah session terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous avez kiffé autant que nous cette session. J'ai bien apprécié ce spot. Bon du coup là on est à l'hôtel, il y a Pierre qui est là, Paul. Bon c'était bien Paul la session de tout à l'heure? En vrai c'est des vagues compliquées, hein. On n'a pas l'habitude de surfer ça. Mais c'était cool. Et du coup je suis quand même très content parce que on a géré une surprise déjà. On a un peu travaillé une surprise. Oui la surprise. Bonne session ce matin, j'ai surfé avec la Spark. C'était sympa, oui. On a rencontré des abonnés qui étaient hyper cool. Ils nous ont conseillé un bon petit resto, oui. Donc moi j'ai kiffé. Moi aussi. Donc maintenant on va aller voir s'il y a des vagues à la Kono. Ce soir on va faire du skate avec deux autres youtubeurs qui ont une chaîne de skate je crois. Qui sont-ils? Vanuatu Skateboarding. Vanuatu, bah il était déjà venu au skatepark. Très gentil, allez voir sa chaîne YouTube. C'est qui qu'on voit au skatepark, Pierre? Mais c'est Orion mec. Orion. La base. Mais non mais Orion on l'a jamais vu, donc on le connaissait pas. On va voir aussi Orion Skate, donc vous pouvez aussi aller voir sa chaîne YouTube et j'irai aussi la voir. Et demain matin, rebelote, on ressort. Bisous les petits loups.